Messieurs, dames, bonsoir. C'est avec le sourire qu'on vous accueille sur la première. J'espère que votre journée a été agréable. Autour de la réunion, l'information primordiale, c'est cette ligne frontale là qui est en train de remonter tout doucement vers notre département, mais qui ne va pas nous concerner dans l'immédiat. Pour cette nuit, les nuages qui se sont formés en journée vont finir par se déliter, s'évanouir pour laisser un ciel étoilé. En ce qui concerne le vent, ce sont plutôt des brises qui prédominent et puis on a toujours cette houle de secteur sud-ouest qui déferle de la pointe des Aigrettes jusqu'à la pointe de la Table avec des vagues moyennes de 2 mètres à 2,50 mètres. Côté ciel, demain matin, on va profiter d'une belle matinée ensoleillée malgré la présence de quelques nuages. Il faudra attendre demain après-midi pour voir un ciel bâché, ennuagé, notamment sur les reliefs. Et pour une fois, c'est inversé puisqu'on aura droit à de belles éclaircies au cœur des cirques, vers le secteur de la plaine des Cafres ou encore vers le volcan. Et puis quelques trouées de ciel bleu possibles également pour les régions qui sont exposées au vent, de Sainte-Marie à Saint-Denis ou encore de Saint-Joseph à Saint-Pierre, où le ciel se dégagera de temps à autre. En ce qui concerne la pluie, elle tombera ici et là, mais avec des quantités modestes, tout juste de quoi arroser les fleurs de votre jardin. En ce qui concerne la mer, on a toujours cette houle de sud-ouest de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table qui atteindra 2,50 m vérifiés d'ici demain après-midi. Les températures sont plutôt correctes. On voit ça tout de suite de minimal, donc 6 degrés prévus vers le secteur du volcan, 3 degrés, attention, à la plaine des Cafres. Si vous êtes en vacances dans ce secteur, couvrez-vous bien. 5 pour Sillaos, 9 pour Salazie, 6 pour Petite France ou encore 19 du côté de Saint-Pierre. Et puis demain après-midi, sur les régions de bord de mer, les températures varieront entre 24 et 27 degrés, ce qui reste totalement correct pour la saison. Dans l'intérieur, entre 17 et 22 degrés. La tendance va-t-elle s'améliorer ou pas? Quel est le temps prévu? Ce sont de belles conditions hivernales avec de belles matinées. Quelques ennuagements dans l'après-midi sur les pentes et reliefs de notre département. Les températures restent globalement de saison, même si par endroits, comme à Sillaos par exemple, on peut prendre 3 à 4 degrés supérieurs au normal de saison. L'alizée d'est est sans excès et la houle de sud-ouest va s'amortir petit à petit. Demain, nous serons le jeudi 8 août et nous fêterons les Dominiques, les sœurs dominicaines d'ailleurs, fêteront la Saint-Dominique à la Providence. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 18h01. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et vous retrouverez avec grand plaisir dès demain.